donc le démarreur n'est pas raide. Une bonne chose de fait déjà. Voilà une petite bosse, hein. La rouille qui commence sur le bas de caisse. La plus grosse partie rouillée, avec un trou, et sûrement du mastic. Bon, mis à part ça, il tourne comme une horloge, hein, voilà. Un peu rond dans le tour. Encore une partie rouillée, mais de la surface surtout. Le reste est pas mal. Donc à voir, le gars a cru que c'était une panne, parce que cet écrou là était desserré, et à voir, la cosse est raide, hein. Encore un problème mécanique. Bon, tant mieux pour moi d'un côté. Le moulin tombe comme une horloge, hein. Et mon fidèle gros bleu pour démarrer, pour le starter. Bon, on va essayer autre chose maintenant, les vitesses, voir si ça passe. Donc la marche arrière fonctionne, hein. La marche avant aussi. Donc les vitesses passent déjà, c'est déjà ça. Mais je pense qu'une bonne série de câbles, bougies, va être nécessaire, parce qu'il tient. Il a un peu de peine quand même, hein. Nettoyer un peu tout cet allumage, faire quelque chose de propre. Voilà, THE option du siècle, ventilateur, climatisation, hein. Oh, oh, bah cette fois c'est raide. Alors là, le dash qui est raide. Bon, ça c'est pas trop grave, je vais essayer d'en fabriquer un en bois. Ça risque d'être sympathique. Voilà, le petit van, l'Econoline E150 de 78. Il fait quand même un joli bruit, hein. La direction est hyper assistée à voir. Elle a vraiment de la peine, hein. Il tourne au carré quand même, hein. Bon, ça va être à trouver, hein, un nouveau volant, parce que bah, il a bien pété, hein. Le gros problème, c'est plastique dur. Là, il n'y a pas de miracle, on va pas pouvoir rénover ça. Ça va être changé, puis voilà. Donc à voir, le reste a l'air pas mal, hein. La pression d'huile est basse, on dirait. Est-ce que c'est juste la jauge qui a foiré, ou alors c'est la pompe à huile qui a foiré? Mais je pense que c'est plutôt la jauge.
la jauge qui a dû lâcher. Il fait bien froid, hein, là. On doit être à moins 5 degrés actuellement. Voilà. Donc, c'est déjà ça. Il tourne. Mal, mais il tourne. Voilà le reste de la corrosion qui a dû être refaite déjà, mais à la va-vite sûrement. Un petit trou. De la corrosion encore. Bon, un bon jeu de courroie à voir, hein, parce que, ou bien des extensions, parce que ça n'a pas l'air bien tourné. L'allumage sur un peu toutes les couleurs, je pense qu'ils ont été changés ou voilà, il y a un peu de bordel. Donc ça sera remis à neuf, bien sûr. Il y a des pressions. Mais c'est vrai qu'il tourne un peu vite dans le ralenti. Hein. Voilà. À bientôt pour des nouvelles aventures.